Alors, TapTapSend, c'est une application qui permet aux membres de la diaspora vivant en Europe d'envoyer de l'argent facilement et à des frais réduits, jamais plus de 2,50€, en Afrique. Et les destinataires en Afrique, ils reçoivent l'argent sur leur mobile money, Orange, MTN, Move en Côte d'Ivoire, etc. Alors, il faut savoir que TapTapSend, c'est une application qui est née pour soutenir la diaspora. La diaspora, c'est le premier investisseur du continent africain aujourd'hui. Donc, devant n'importe quel fonds d'investissement, programme d'aide au développement, ce sont les Africains de l'extérieur qui soutiennent d'abord leur famille et qui participent au développement économique de leur pays. Donc, cette application, elle a pour objectif de leur faciliter la vie. Les coûts sont fixes, ils ne dépassent jamais 2,50€ et ne changent pas, peu importe le montant qu'on envoie. Les amis, je pense qu'on va passer un excellent week-end. Au-delà d'être une application qui soutient les diasporas, TapTapSend a une réelle volonté d'accompagner ces communautés-là et de plusieurs manières, que ce soit du domaine culturel, le domaine économique, le domaine social. Du coup, on a vraiment vocation à accompagner les talents africains. Ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des musiciens, ça peut être des réalisateurs, ça peut être des producteurs. Et du coup, le monde du cinéma, c'est aussi une vitrine pour l'Afrique aujourd'hui. On voit de plus en plus des séries, des films africains. Il y a également plusieurs plateformes qui permettent de mettre à disposition ces films au plus grand nombre. Du coup, TapTapSend, naturellement, on a voulu s'associer à la Semaine du cinéma qui met en lumière les talents africains dans ce domaine-là. Bravo. Ce qui nous a séduit dans le projet de la Semaine du cinéma, c'est que pour la première fois, on a un festival qui, au-delà de mettre en lumière ces acteurs de cette industrie qui est le cinéma en Afrique, permet aussi de coacher, d'accompagner des futurs réalisateurs, des futurs producteurs, de créer une vocation aussi auprès de certains jeunes Africains qui aujourd'hui peuvent faire rayonner le 7e art au-delà de leurs frontières, au-delà de la Méditerranée, etc. Justement, elle n'est jamais arrivée à Yaoundé. TapTapSend, son apport, c'est simplement le fait de continuer à vouloir participer au développement économique et culturel du continent africain. Ça passe par le cinéma, mais ça passe aussi par plusieurs aspects. Et si le cinéma africain a vocation à grandir, TapTapSend a vocation à l'accompagner dans cette croissance.